À mon fils. Maison. Il y en a encore. Non. Ah, je veux bien. Avec mon jus d'ananas, pardon, une bonne fois. Je tue ça une bonne fois, un tour. Bonjour, 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 bonjour. Je sais que beaucoup de gens sont à l'église. J'espère que vous m'avez porté dans vos prières. Parce que j'en ai besoin. Bonjour, 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 bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, mon chéri. Ceux qui parlent toujours, je viens, je vais même pas structurer ce que je vais vous dire. Un conseil, hein, n'allez pas chercher le bruit. Laissez le bruit arriver à vous. Et là, il fera le bruit à votre place. Ne faites pas le bruit avant que le bruit ne l'ait fait pour vous. J'ai vu de telles choses hier. C'est grave, hein? Et je tenais à passer ce message. Je tenais à passer ce message. L'humilité précède la gloire. Hein? Les petits là. Arrêtez de bomber dans rien. Arrêtez de bomber dans rien. Soyez humble. Et votre premier adversaire, c'est vous-même. C'est pas autrui. Souvent, tu es seul dans ton couloir. Mais tu es tellement distrait à regarder les couloirs d'à côté que tu as du mal à avancer. Arrêtez. Concentrez-vous. Restez focus sur ce que vous avez à atteindre. Chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Et dans ton couloir, tu as tes obstacles. Mais à regarder l'obstacle de l'autre, mon frère, pour toi, il est là-bas en train de s'agrandir. Tu n'es même pas prêt. Donc, armez-vous de courage et affrontez vos choses. D'accord? C'est pas la peine de papillonner, de machin, de ceci, de cela, de comme ci, de comme ça. Un peu le trop pour rien. J'ai pas pour habitude de parler, parler, parler. Surtout sur les bails là. Mais là quand même ça m'a piqué. Concentrez-vous. Cher public, à vous aussi. Nous n'allons pas toujours faire des playbacks et venir vous braquer. Playback comme le CD. DJ, pousse le son. Ouais, ayo, otiza. Je fais la carpe de ma propre chanson. À un moment donné, on doit échanger des émotions avec le public. Aussi maladroit que cela puisse être au début, nous allons travailler pour que ça devienne adroit. Que ça devienne bien. Nous travaillerons. En tout cas, moi, hein, c'est mon objectif. Apprenez à consommer du live. On ne va pas toujours être à lever, lever, lever les mains, lever les mains, lever les mains. On hurle sur nos propres chansons qu'on a posées en studio. Non,
On veut les déguster. Hein? On veut déguster les chansons. Le live, c'est pas facile. C'est quoi ça? Hein? On veut les déguster. Hein? On veut chanter dessus, s'exprimer, faire ressortir l'émotion qu'il y avait quand on a posé cette chanson. Pas seulement venir et puis on dandine là comme des tétards, n'importe comment. Je suis fatiguée, je l'ai fait. Ça a un certain âge, hein. À un moment donné, moi je vous le dis, j'ai pas le poumon pour faire tout ça. Je veux chanter. Je joue trop les Céline Dion. Mais c'est ça dont je parle. L'amélioration. En direct. Je joue les Céline Dion, lol. Peut-être que c'est ma voix qui est comme ça. Bref, en tout cas, c'est pour dire que on va s'améliorer. Et vous aussi, habituez-vous au live. Habituez-vous au live. Au fur et à mesure, on va grandir. Hein? On va pas toujours venir braquer les gens là. Allez, DJ, pousse le son et puis on est là comme des tétards partout. On vous fait seulement la cape, piotop, piotop, piotop. Et puis on s'en va. Non. Il faut qu'on chante, il faut qu'on échange quelque chose avec le public. C'est très profond. Le public écoute. Hein? Non, il n'y a pas de manquement ici. Ne cherchez pas les problèmes où il n'y en a pas. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Et je ne suis pas dans les problèmes. Je n'ai pas le temps pour ça. C'était juste pour soulever ce... Pardon, pour soulever ça. La nouvelle génération, doucement. Hmm? À trop suivre la tendance, vous savez, la tendance parfois après, la tendance passe. On juge l'artiste de par quoi déjà, mon chéri? L'endurance. Voilà, de par son endurance. Hein? Bonne chance à vous. Parce que celui qui a des oreilles entende. Évitez de vous jouer les dangereux. Inutile. Restez focus sur votre carrière. Que votre carrière ne vous rende pas fou. Que vous ayez toujours les objectifs que vous voulez atteindre en ayant commencé votre carrière. Et la carrière, c'est pas en un clin d'œil, hein. C'est pas en 2 ans, hein. Ni en 3, ni en 4. C'est plusieurs années. Évitez de vous auto-introniser. Hein? Laissez que l'on vous intronise. Laissez votre travail vous introniser. Ne vous intronisez pas seul. Hein? Allez, c'était la Kinda pour vous. J'espère que j'ai été de bons conseils pour vous. Ou peut-être pas, mais ce serait dommage. Allez, je vous embrasse. Même moi, je suis dans l'amélioration de mes lives. Parce que c'est ce que je veux faire maintenant. Je travaille pour que mes lives soient de plus en plus amélioré, de plus en plus parfait. Donc, nous tous là, on est dedans. Je vous souhaite bonne chance et un bon dimanche chez vous. Mouah.